monde et bienvenue pour le maquillage à mercredi. Je commence tout de suite par appliquer la teinte caramel de la semi-sweet chocolate bar de Too Faced dans le coin externe de mon œil et je fonds bien la matière. J'applique ensuite la teinte alpaca de la Naked 1 et je vais venir bien la fondre avec la teinte caramel que j'ai précédemment appliquée. Donc je fonds bien les matières ensemble et puis il faut que ça fasse vraiment un joli dégradé. Et ensuite je vais venir l'appliquer aussi sous l'œil au centre. J'applique ensuite un fard brun de chez Kiko que je vais venir appliquer dans le coin externe de mon œil pour foncer un petit peu le creux de mon œil. Donc je l'applique au-dessus et en dessous, toujours en fondant bien les matières entre elles. Je vais réappliquer ensuite le fard caramel par-dessus pour bien rendre un effet un petit peu plus orangé plutôt que brun. Comme d'habitude, je viens nettoyer le pourtour de mon œil avec la teinte Foxy de la Naked 2. Et je viens illuminer le coin interne de mon œil ainsi que la ligne des sourcils avec le merveilleux Marilou Menisa. Et je viens faire mon trait d'eyeliner avec un crayon brun au-dessus et celui que j'utilise c'est celui de chez LR Cosmetics, donc la gamme Deluxe. Je l'applique également en ras de cils inférieur dans le coin externe. J'applique un crayon beige dans la muqueuse inférieure de mon œil pour agrandir mon œil et avoir l'air moins fatigué. Je courbe mes cils. Et puis comme à mon habitude, j'applique mes deux mascaras. Donc je commence par le Glam & Doll de chez Catrice que je viens appliquer en insistant bien sur les racines de mes cils. Donc je l'applique sur mes cils supérieurs et inférieurs. Et puis j'applique le volume Glamour Max de chez Bourjois sur mes cils supérieurs sur les longueurs. Je viens redéfinir mes cils avec le brosse à teint en teinte blonde de chez Maybelline et je vais venir brosser mes sourcils avec une brosse en goupillon. Du coup c'est terminé pour les yeux, maintenant on va passer au reste du visage. Pour rappel, ma routine teint est dans la première vidéo de cette semaine. J'applique un de mes blushs préférés, c'est le 36 Pêche Vétaminé de chez Bourjois et il est très joli, c'est un très joli orangé. Et bien entendu, j'illumine les zones de mon visage avec mon chouchou d'amour, le Marilou Menisa de chez De Balm. Contour de mes lèvres, en fait j'ai d'abord utilisé le crayon à lèvres Plume It Up de chez Bourjois, donc c'est la teinte numéro 9 et je l'adore parce que c'est vraiment un très joli pourpre. Et par dessus j'applique le merveilleux Plume Plume Girl de chez Bourjois, donc c'est un édition velvet et il est trop joli. Pour connaître mes astuces de comment je fais bien tenir mon rouge à lèvres, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui traite de ce sujet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, du coup c'est tout pour mon tutoriel d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Après réflexion, je trouve qu'il ressemble assez fort à celui de lundi, mais voilà, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Je vous rassure tout de suite que ceux des autres jours ne se ressembleront pas, donc ils seront un petit peu plus festifs. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo si ça vous a plu, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu aussi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour mon tag spécial Noël.